Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant d'attaquer direct dans le vif du sujet, je voulais juste vous montrer des nouvelles de mes rhododendrons, enfin de petits azalées là que j'avais planté, de la famille des rhododendrons que j'avais planté dans le vlog dernier, dans ce petit pot là. Alors ma belle-mère m'a dit que c'était pas un pot pour la farine, c'était là où ils faisaient le beurre. Et je vous avais dit que mes autres azalées commençaient enfin à refleurir après un an que j'attends. Donc je vais vous montrer quand même cette floraison, elle est vraiment magnifique. C'est un pot qui a été un petit peu en stress hydrique l'été passé, parce que j'avais un peu oublié de l'arroser. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je prends la caméra, puisque je reviens de course dans une jardinerie. Je suis allée acheter deux énormes rhododendrons pour une amie de la famille. Et quand elle a vu que j'avais fait des petites plantations pour ma belle-mère, je vous avais montré ça dans le dernier vlog, elle m'a posé une question, elle m'a dit « Oui, j'ai deux pots devant mon entrée qui sont un peu tristes. Est-ce que tu pourrais me conseiller ?» Donc en fait, c'est deux pots avec... Il y avait une fougère dedans, une chaire et la petite plante, la retombante, là. J'ai oublié le nom. Je dis « Bah, les plantes vont bien, qu'est-ce qui va pas Elles se plaisent bien. » Et en fait, je dis « C'est quoi? C'est que tu veux de la couleur, des fleurs ?» Elle me dit « Oui, je voudrais de la couleur. » Donc du coup, je me suis dépêchée d'aller dans cette jardinerie que j'aime beaucoup près de chez moi pour aller récupérer ces deux gros, énormes rhododendrons. J'ai bien fait, il en restait trois. J'en ai pris deux. Parce que c'est bien la saison là de les planter en ce moment, que ce sont des vivaces. Ici, elles sont vraiment top, là, devant mon entrée. Elles ont fleuri quasiment toute l'année, de mars jusqu'à novembre. Et même cet hiver, parce qu'on a eu un hiver vraiment très doux. Et puis, c'est des plantes qui aiment l'acidité, donc je suis allée prendre du terreau spécial pour elles et du terreau pour plantes de bruyère. D'ailleurs, je vais lui faire un petit réel, je pense. Du coup, si je l'ai déjà fait, là, entre-temps, je le posterai ici. Je pense qu'elle sera bien contente de ce peps de couleur. Et en y allant, j'ai craqué pour moi. En fait, j'ai craqué pour le devant de la maison, là où il y a les narcisses. Vous savez, toutes mes belles narcisses, là, elles commençaient à fatiguer, puis ils ont prévu, en fait, avant-hier, ils avaient prévu beaucoup de vent et de pluie. Donc avant qu'elles soient toutes abîmées, alors là, je me suis dit, je vais les couper pour en profiter en vase. Qu'est-ce que j'ai pris, du coup, pour refournir un peu cette plate-bande? Puisque là, j'ai coupé les fleurs, j'ai pas laissé les tiges, parce que je voulais les mettre en vase, mais vous pouvez couper juste la tête de vos narcisses et de vos tulipes, ça permet, et garder la tige, ça permet encore mieux de recharger le bulbe. Mais sinon, si vous les prenez pour les mettre en vase, laissez bien le feuillage. Avec la photosynthèse, en arrosant, en donnant de l'engrais aussi, ça permet de bien recharger les bulbes, parce que ceux-là, c'est des bulbes de narcisses, je vais les laisser sur la plate-bande d'entrée, je vais pas les toucher. Et du coup, pour refournir avant que les feuillages fanent, je commençais à regarder ce que j'allais mettre. C'est pas mal de planter maintenant parce que la terre est bien humide, il fait pas encore trop sec en Californie, du coup c'est assez facile à travailler et en plus moi ça me permettait de savoir où étaient les bulbes, parce que je me suis dit si j'attends d'avoir coupé tout le feuillage et que je plante soit des annuelles, là c'est des vivaces que j'ai prises, ben, je vais plus savoir où les planter en fait pour pas déranger les bulbes. Donc j'ai pris des surfinias et des armérias, je vais vous montrer, je vais planter tout ça. Trop belle, j'en ai sur le jardin là, sur ma terrasse en béton, et vous me posez souvent la question, et là il y en avait dans plein de couleurs, rosées, différentes, un joli camailleux, donc j'ai pris deux couleurs différentes et je vais planter ça. Et sinon je vais vous montrer ce que j'ai pris pour les enfants pour Pâques, même si ça sera trop tard quand vous verrez, je me dis c'est pas grave, toujours un petit peu des idées même pour l'année prochaine. Pour Louis j'avais pris un carnet d'activités. Donc il y a aussi des stickers, ce milieu, et puis des petites activités, du coloriage. Je lui ai pris aussi un petit livre, La Pâte Patrouille, il aime bien, sur spécial Pâques. Ma copine qui va venir, parce qu'en fait on a fait un peu des paniers en commun, parce que j'ai une copine à moi avec ses deux garçons qui viennent faire la chasse aux œufs. Elle lui a pris une paire de lunettes de soleil et un ensemble de piscine. J'ai pris aussi, alors ça c'est des petits œufs, en fait il y a de la pâte à modeler dedans et dessous il y a un emporte-pièce pour la pâte à modeler. J'ai pris deux autres emporte-pièces, il y avait un paquet de 4, j'ai coupé en deux pour son garçon qui a aussi 3 ans et demi. Bon oui j'en ai gardé deux, donc soit pour la pâte à modeler, soit pour la pâtisserie. Et un petit classique, un truc à ressort comme ça. Il y aura quelques ans de chocolat aussi, bien sûr, même si vous savez qu'ici, le chocolat n'a pas le goût de chocolat. Et pour Diane, alors, j'ai pas encore tout mis ensemble. J'ai acheté un petit livre pour bébé, assez facile. J'ai trouvé un petit hochet, là, avec des petits œufs. J'en ai pris un autre avec un lapin et des carottes pour son fils, parce qu'elle a deux enfants, donc un qui a l'âge de Louis, un qui a un an. Et j'ai pris un truc à grignoter, là, quand elle se fera les dents. Alors, je sais qu'il y a de la marge, hein, avant qu'elle joue avec tout ça, avant qu'elle lise le livre. Enfin, quoique, je commence déjà à lui lire des petits livres de temps en temps, quand j'ai son attention.
Mais c'était dans le thème du coup de la guerre. Donc voilà. Et puis je voulais pas qu'elle ait rien dans son petit panier parce que oui, alors ici aux États-Unis, on met pas que des œufs, on fait un petit panier avec des petits cadeaux. En fait, tout est excusé à la consommation, hein, on est d'accord. Mais du coup, comme ses copains allaient en avoir, je voulais pas non plus que ça soit qu'il soit le seul à pas en avoir. Et j'ai fait attention à ce que Diane ait des petites choses. Par exemple, je lui ai racheté des petites sucettes et je les ai mis dedans. Voilà, j'ai acheté un petit biberon pour les poupons, vous savez, pour ceux pour lesquels j'ai cousu les quilts. J'ai acheté un petit biberon avec une petite tasse pour quand elle voudra jouer avec plus tard, pour son poupon, parce qu'il y en a deux, il y en a un pour Louis, un pour elle. Voilà, histoire de remplir un petit peu le panier, de choses que je sais que plus tard, même si c'est pas maintenant, elle va se servir. Pareil, elle a eu une paire de solaires par ma copine et un petit maillot de bain par ma copine, donc je mettrai dans son panier aussi. Voilà, donc je vais aller planter tout ça, sûrement pas aujourd'hui parce que j'aurai pas le temps dans l'entrée, je vous montrerai à la suite. Et sinon je suis dégoûtée, j'avais une vidéo que j'avais commencé à filmer, un énorme rempotage de printemps de mes plantes vertes, parce qu'il y en avait plein qui avaient trop grandi. Une petite bouture que mon ami bonnet m'avait envoyée, qui avait super bien grandi, qui commençait à être trop serrée dans le pot. Certaines autres plantes vertes que vous avez vues au fur et à mesure des hauls là sur la chaîne, qui commençaient à être serrées. Je filme tout ça, donc ça me prend pas mal de temps et tout. Je me dis, bah ça va être bien, ça va montrer, voilà. C'est l'occasion de donner des petites astuces par-ci par-là, de vous montrer l'évolution de mes plantes vertes, mes plantes d'intérieur, parce que je sais bien que vous aimez c'est un sujet que vous aimez aussi. Et il me manque la plus grosse partie de la vidéo. Alors soit je l'ai effacée, soit je n'ai pas appuyé sur le bouton enregistrer, je ne sais pas. Il me reste quelques clips, inclus l'introduction. Tiens, pour rigoler, je vais vous la mettre là. Coucou tout le monde! Aujourd'hui, c'est grand rempotage de printemps de plantes vertes. Du coup, je me suis dit que ça sera l'occasion de faire ça en vidéo avec vous. Voilà, donc d'une vidéo que vous ne verrez pas. Et j'ai que quelques clips du rempotage de Meoya. Donc bon, je vous les mettrai quand même pour vous montrer, vous filer quelques astuces, mais grosso modo, vous n'allez pas voir l'ensemble de mes plantes être rempotées, et ça m'ennuie, parce qu'en plus, je sais que vous voulez un plan de tour, et j'aimerais trop vous en faire un bientôt, pour vous montrer où j'en suis, etc., où est-ce que j'ai mis mes plantes, et en fait, c'est une vidéo qui est compliquée à filmer avec les enfants. Aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de faire l'entrée, par contre, je vais avoir le temps, c'est 5 minutes, parce que là, Louis fait la sieste, ça n'arrive quasiment plus, il me fait la sieste plus qu'une seule fois par semaine. Ça, c'est vraiment un miracle, il devait vraiment être crevé. Je le mets toujours un peu dans le lit, lui dire bah voilà, tu restes un petit peu, tu fais un temps calme, puis au bout d'un moment, il n'en peut plus quoi, c'est quand il dort pas. Donc je vais le chercher. Mais là, il dort, donc je vais en profiter pour aller ramasser quelques tulipes qui sont sorties dans l'ancien, dans le dernier vlog, intitulé C'est le printemps, le 137. Je vous avais montré qu'elles commençaient à venir, et là, elles sont toutes sorties, c'est magnifique. Donc je vais en prendre quelques-unes pour faire des bouquets. Je ne vais pas toutes les enlever parce qu'il est joli ce petit bac, et comme les autres bacs de fleurs commencent à sortir mais c'est pas non plus encore voilà, bien fleuri, etc., et ben ça permet de, ça donne un peu de peps et de couleur. Ouais, vraiment les bulbes de printemps, meilleure façon d'avoir un début de printemps fleuri, mais il faut s'y prendre à l'automne, et je le redirai jamais assez. Pour un début de printemps bien fleuri, bien coloré, avant que la nature vraiment complètement se réveille complètement et qu'on soit complètement débordé, ça se joue à l'automne vraiment. Entre les bulbes et la plantation des vivaces, qui vont pouvoir bien installer leurs racines à l'automne quand le sol est encore chaud, mais il fait moins sec quand même qu'en été. Ensuite, le feuillage et les fleurs, par exemple, s'endorment durant l'hiver, mais ensuite au printemps, c'est la grosse éclate. Donc ce bac, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais tout planté à l'automne. C'était des tulipes qui étaient censées être bien rouges. En fait, elles sont dans les tons orangés. Alors, c'est pas que c'est moche, hein, c'est juste que c'est pas mes préférées. Mais bon, elles sont très bien. Je les coupe pour faire des bouquets. Et puis j'en ai déplacé aussi quelques-unes pour les mettre ailleurs avec leurs bulbes. Je vous ai montré ça sur Instagram. Et j'en offre aussi à mes voisins, à mes voisines. Ma belle-mère, c'est cool. J'en ai profité aussi juste pour réarroser un petit peu les semis. Donc voilà, essayer de faire en sorte que la surface ne soit pas complètement sèche. Parce qu'il y a certaines graines qui sont encore en surface. Donc je réhumidifie tout. Et ensuite, quelques jours plus tard, j'ai enfin pris le temps, alors déjà d'enlever un petit peu les décos de Pâques, et puis de mettre en terre du coup mes jolies armérias dont je vous parlais. Et mes surfinias qui iront du coup devant. Je vais faire deux rangées sur cette petite plate-bande. Ce que vous voyez tout à gauche en bas de l'écran, c'est mon géranium vivace que j'avais trouvé dans un vide-grenier qui est blanc.
Donc lui, je l'avais mis pas au milieu, mais un peu, je sais pas pourquoi. Je suis en train, après, maintenant quand je fais des petits massifs comme ça, d'annuel, enfin quoi que ça, ce sont des vivaces. Hein. Et les surfinia ici, elles sont vivaces, je les cultive pas en annuel en Californie. Mais quand je fais des petits parterres comme ça, après je m'en veux parce qu'elle est un peu mal placée, mais bon, je sais plus ce que j'avais sur le côté. Il y avait sûrement une raison. Donc vous voyez, je plante entre les bulbes de narcisse qui auront encore leur feuillage. Parce que voilà, ça permet de bien recharger le bulbe, donc j'arrose au même titre que les armérias et que les autres fleurs qui sont là. Et je donne de l'engrais. Je couperai le feuillage une fois que c'est vraiment tout fané. Ce jour-là, j'ai pris aussi le temps de mettre les graines là, que j'avais achetées au Dollar Store. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an passé, là je vous montre l'endroit où j'en avais mis l'an passé pour faire un petit coin de fleurs sauvages. Et du coup, bah, ça revient là chaque année. Et là, le petit coin où il n'y en a pas, bah, c'est parce que je pense que ça manque de soleil. Donc je vais essayer de refournir le petit coin où il n'y a rien avec ces sachets de graines qui m'ont coûté 1$ chacun. Il y en a beaucoup des graines à l'intérieur, mais il y a aussi beaucoup de vermiculite. Donc pour arriver à bien les répartir, j'ai dû les mettre... Alors là, je vous montre toute la bordure là, d'alyssum. Il y avait quelques alyssum dans ces graines. Et la rangée de... Là où est-ce que je vais les placer. Et puis j'ai aussi ma rangée de hosta. Et du coup, ouais, je disais, j'essaye de les mettre tous dans des bacs pour bien voir que ça soit uniforme, parce qu'il y a tellement de vermiculite que j'avais du mal à voir. Là, tout ce que vous voyez, c'est pas tout des graines, hein, c'est des graines mélangées dans de la vermiculite. C'est pour ça que j'en ai mis beaucoup. Après, c'est vrai que j'en ai mis aussi beaucoup, mais vous allez voir, après je vous donne des nouvelles, ça pousse bien. Et je vais les passer en fait rapidement en terre, mi-avril. Donc voilà, ça va pas se faire trop de concurrence ou s'étouffer. Mais voilà, donc les deux autres finalement je les ai pas mises en terre tout de suite ce jour-là parce que je me suis rendu compte que j'avais plus trop de place et que je voulais pas serrer non plus trop. Et alors là moi j'y suis allée avec du terreau un peu grossier, du terreau universel, j'ai pas pris mon terreau pour semis, déjà je l'économise, il est un petit peu plus cher puis j'ai pas envie d'acheter autre chose. Et honnêtement pour ces graines là j'apportais pas un soin particulier et ça fonctionne très bien, donc elles je les ai mises directement en serre, donc elles vont grandir, je les passerai pas en intérieur le soir etc, donc parmi les graines les plus résistantes vont grandir et honnêtement ça se passe bien là, je vous donne des nouvelles juste après. J'en ai profité pour réhumidifier la surface de mes bacs où il y a la nigelle de Damas. Comme vous pouvez voir, ça pousse bien, c'est cool. Donc ça, ce sont des graines qui supportent le frais, on va dire, donc contrairement à d'autres annuels. Et j'ai quand même mis, j'avais mis quelques cosmos en terre pour voir ce que ça donnait ici en Californie. Il n'y a plus trop de saison maintenant, donc je fais des tests. Et j'avais plus trop de place non plus, donc j'avais mis quelques zinnias que j'avais semées dans la serre, parce que ça commence à être un peu serré. Et je les ai mis en terre. Je pense qu'elles ont eu froid cette semaine-là, ces clips, ils ont été tournés il y a quelques semaines. Mais bon, on verra ce qui prend ou pas, on fera le bilan. Mais ouais, je fais des tests maintenant, comme il n'y a plus trop de saison. J'ai passé quelques calendulas aussi en terre, puisque j'avais plus de place là aussi dans la serre, et les semis avaient bien pris. Eux, ils vont bien, ils ont bien résisté à quelques épisodes de froid, là on verra. J'ai pas tout nettoyé, il y a encore pas mal de feuilles mortes et tout. Mais bon, déjà moi ça me dérange pas, et ensuite c'est bien pour la biodiversité. Ah oui, je voulais vous montrer mes surfinia ici, donc qui ont passé tout l'hiver ici, sont déjà en train de refleurir. Du coup, je vais vous montrer où ça en est, les petites fleurs du Dollar Store. Alors là, j'ai planté des alyssum pour... ça, je vous en ai déjà parlé. Donc, elles sont au taquet, là. Là aussi. Et du coup, j'en ai commencé d'autres. Les deux autres paquets, là, que... En fait, j'en avais utilisé que deux paquets dans ma vidéo. Je pense que je vais les mettre toutes à cet endroit, là-bas. Même celles qui étaient censées être pour le soleil. Voilà. Bon, le reste, c'est des petites marguerites, des hypomées. J'en ai mis une autre en terre. Là, qu'est-ce que j'ai rempoté? Des petites marguerites. Et celle-là, je vais attendre que ça dépasse de partout, en bas, là. Et puis je les replanterai après, là où il y a des trous, pour mes alyssum. Pour refaire ma petite bordure qui est à gauche du jardin, donc côté du soleil.
C'est-à-dire, celles-là, elles sont restées toute l'année et continuer cette petite bordure que j'avais fait l'an passé avec les alyssum. Une deuxième chose, j'avais planté quelques cosmos en terre directement. Donc, ils sont en train de sortir. Et il y a quelques semis que j'avais fait, que j'ai mis en terre parce qu'en fait, j'avais plus de place dans la serre. Ça va bien. Il y a pas, pour le moment, ils n'ont pas annoncé de gelée là pour les 10 jours qui viennent. Je regarde à chaque fois. Et puis, la nigelle de Damas, là, elle commence à bien sortir. Je suis contente. Ça, c'était les bleues que j'avais mises. Et j'en ai mis d'autres après. Vous vous souvenez, j'en ai acheté deux autres petits paquets. Donc, sont en train de sortir aussi. Hier, j'ai enlevé quelques tulipes avec leurs bulbes parce que, pareil, j'ai passé quelques cosmos ici. Les rubenza, là. Parce que je commence à avoir plus beaucoup de place. Et au niveau des zinnias, j'en ai passé quelques-unes ici. Là, j'ai fait toute une allée de marguerites et de petites marguerites. Et là, j'ai remis. Là, c'est des zinnias que j'avais plantées directement qui sont en train de sortir. Et j'en ai mis pas mal ici parce que j'avais plus beaucoup de place. Mais elles se sont faites un peu manger. Du coup, je vais mettre un petit peu, je pense, de ce logo. Et pour le reste des semis, je vais attendre, en fait. Là, les mufliers vont être au taquet. Il y en a un qui a hyper fleuri, les autres attendent. Je sais pas pourquoi, c'est parce qu'ils attendent. Du coup, je peux pas les ramasser, faire des bouquets. Mais c'est pas grave. J'attends. Je vais avoir pas mal de fleurs, c'est cool. Je suis bien contente de les avoir plantées à l'automne et d'avoir coupé toutes les fleurs à l'époque. Parce que maintenant, ils vont être énormes, quoi. Ensuite, je vous ai calé du coup les petites images que j'ai récupérées du rempotage de mes plantes d'intérieur. Donc, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Je vous ai dit, j'en ai perdu pas mal. Donc, mes Hoya, qui m'avaient été offerts par mon abonné, ont bien grandi. Ils ont besoin d'un pot un petit peu plus grand. Pas trop trop grand non plus. J'aime bien les laisser un petit peu serrés. Je laisse en plastique parce que comme ils sont sur une fenêtre plein ouest, ça sèche assez rapidement. Donc, je ne les passe surtout pas... en terre cuite ceux-là, vu là où ils sont exposés. Si vous avez du mal avec quel pot choisir, plastique, terre cuite, etc., j'ai une vidéo dédiée, si vous voulez, je vous donne un peu plus de détails, parce que ça dépend en fait de votre entretien, de votre mode de culture, vos habitudes, et aussi votre exposition. Alors là, j'ai pas tout détricoté les Ouya. J'aurais pu mettre leurs racines à nu et mettre que du nouveau terreau. J'ai placé en fait l'ancienne motte dans le pot. Alors, il y a deux raisons à ça. La première, j'avais Diane qui commençait à se réveiller derrière. Vous le voyez pas, mais j'avais le monito qui commençait à s'allumer. Donc j'ai voulu faire ça rapidement. Deuxième, c'est que je les ai rempotés à l'automne, pas au printemps. Donc, ça fait moins d'un an, donc le terreau est pas encore trop dépourvu de nutriments. Mais c'est vrai que c'est bien quand vous rempotez vos plantes de changer complètement le terreau, de détricoter un petit peu les racines comme je vous montre finalement souvent sur la chaîne. Mais voilà, là vraiment problème de temps, un petit peu de flemme, il faut se le dire aussi. Je suis un peu fatiguée. Voilà, ça fonctionnera très bien. Et puis comme je vous disais, c'est pas des plantes que j'ai rempotées il y a très très longtemps. Je suis en train de faire du montage vidéo et je sais plus où est ma caméra. Du coup, je me suis dit que j'allais vous faire un petit clip juste pour vous montrer souvent comment se situe le montage. Donc c'est le bazar. J'ai une petite dame sur moi. Je suis par terre. Elle ne veut pas être dans son transat non plus. Elle veut être sur moi, elle ne veut pas dormir non plus. Et c'est l'heure de la sieste de Louis, donc j'en profite pour bosser. À moitié, je suis en train de relire le livre de Erin parce que j'ai envie de l'an prochain, moi c'est trop tard, mais de m'attaquer aux bisannuels. Et puis je regarde pour l'automne, j'aimerais planter des pivoines. En fait, les pivoines, je voulais pas en mettre dans ce jardin parce qu'on n'est pas propriétaire, parce que les pieds de pivoines, ça prend du temps avant de faire une floraison vraiment constante, enfin bref. Faut que le pied soit bien installé, d'ailleurs faut l'installer en automne. Et du coup je voulais pas, et puis en fait, je suis en train de me dire qu'on n'est pas prêt, on n'est vraiment pas prêt d'acheter dans la région, et que du coup, pourquoi pas,
pourquoi pas. Et puis si on est encore là dans quelques années, j'aurai plein de pivoines, je serai contente. Et puis sinon, bah, je laisserai le pied. Et en fait, dans le livre, ils disent qu'à l'automne, c'est le mieux, c'est d'en acheter à l'automne, vous savez, en racines nues, un peu comme des rosiers. Et du coup, je regardais, je ferai ça l'an prochain. Et je suis en train aussi de me motiver de faire d'autres semis. Donc je vous ai fait la liste de tout ce que j'allais semer cette année dans une vidéo dédiée, je la mettrai là ou là. J'ai mis surtout des fleurs, des grosses fleurs, des fleurs qui sont le centre de composition florale. Mais j'ai mis assez peu de fillers, de fleurs de remplissage. Et du coup je suis en train de regarder, mais souvent c'est des fleurs, ici en tout cas sous mon climat, qu'il faut commencer au début du printemps. Donc genre par exemple, alors la nigelle de Damas j'en ai planté, mais là les bells, les cloches d'Irlande, j'aimerais trop en mettre, c'est joli. Et les larkspur, alors je sais pas quel est le mot en français. Elles font envie aussi, non, les oracles aussi là. Elles me font envie, mais le taux de germination de ces fleurs sont pas ouf. Donc si je m'y suis prise trop tard cette année et qu'en plus le taux de germination est pas ouf, je pense que ça va pas être la folie cette année. Je vais prendre des notes pour pas oublier pour le printemps prochain et même l'automne prochain, parce que comme mon climat est doux, il y a pas mal de plantes comme ça de remplissage pour des jolis bouquets, enfin de fleurs pardon, de remplissage pour des jolis bouquets qu'on peut commencer, enfin que moi je peux recommencer à l'automne. Donc voilà, ma petite dame. Et sinon, vous voulez voir le pyjama le plus cliché du monde? Ma petite puce. La tour Eiffel, le ballon montgolfier, les macarons, les poodles, les French bulldogs, les croissants. Je crois que c'est un cadeau que j'ai eu pendant ma baby shower. Donc voilà, je mets tous les vêtements qu'on nous a offerts. Mais en plus, c'est un pyjama, il est chaud, il a des manches longues. En ce moment, j'en ai besoin. Donc je mets, mais c'est vrai qu'il y a des trucs quand je me dis plus clichés. Tu meurs. Enfin bon. Les Américains aiment beaucoup la France pour tous ces clichés-là. Non, écoutez. Enfin, tous ces clichés, ça existe. Hein. Bon, quand même.